والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكرنا البارحة قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم هناك كومونسي Hier, à l'explication de la parole de l'imam Tahawi, euh, sa parole, à Allah a créé les créatures selon sa science, et il leur a il aura prédestiné ce qu'ils vont faire, leur acte, ce qu'ils vont faire, et il leur a mis un terme dans lequel ils vont mourir. Euh, et il a su toutes choses avant de les créer, avant de les créer, Allah il a su qu'est-ce qu'ils vont faire. قال وقدر اجال الخلائق وقدر لهم اقدارا اي اجال الاداميين والجن وغيرهم من المخلوقات الله تعالى اقر destiné اشكا de parmi les humains les djinns meme les animaux a quel terme va, va mourir بحيث اذا جاء اجلهم لا يتاخرون ساعه ولا استقدمون comme lorsque la terme de l'un parmi nous arrive on n'aura pas un instant en plus, et on ne sera pas mort un instant en moins, mais plutôt l'ange de la mort prend l'âme juste au terme qu'Allah Subhanahu a prédestiné, même les respirations qui sont comptées pour chacun de nous, alors il va pas prendre ton âme une respiration avant et il va pas te donner non plus une respiration de plus. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أي إذا جاء الوقت الذي علم الله وشاء أن يموتوا فيه يخلق الله الموت فيهم في ذلك الوقت لوسكو لو تيرم اريف كو الله تعالى اسو كون فا موريغ alors تعالى الله كري لا مور دون سو كي فون موريغ سون اتر ريتاردي او سون كومبرون لام اون اور à Alors pour chacun, son terme est prédestiné. Même celui qui va être tué, son terme est prédestiné. Et Allah Ta'ala a prédestiné qu'il vit jusqu'à le temps où il va être tué. Et on a dit hier que ce n'est pas deux termes, un terme normal et un terme euh, coupé par le criminel ou par celui qui l'a tué. ليس هناك اجل اجلين اجل طبيعي واجل اخترامي وانه اذا قتل بالرصاص او بالذبح او بالسم انه يكون هذا اخترم اجله انما مات باجله، المقتول ميت باجله. سالوي كي اايتي تويي، il est mort à لان الله تعالى لن يعطيه اجلا وهو يعلم انه لن يعيش اليه. اه الله تعالى il va pas donner Un terme et que Allah sait qu'il va mourir avant par le fait d'être tué. Il ne va pas lui donner un terme et que, et que Allah Ta'ala sait qu'il va mourir avant. «Wa huwa ma «Tab'an عليه شيء Allah Ta'ala sait tout ce qu'ils vont faire les êtres humains <mam> avant qu'ils soient créés. Allah Ta'ala sait les choses dans la globalité et dans le détail. Dans ce qu'on dit dans le détail, c'est-à-dire le nombre des gouttes de pluie, les feuilles des arbres, les cendres, les poussières, leur nombre, Allah Ta'ala sait. L'imagination qui traverse l'esprit pendant un instant pour toutes les créatures, Allah le sait tout. Rien n'échappe à sa science. Allah man وهو اللطيف الخبير سي الله تعالى سي سو كي لا اي الله تعالى سي celui كي سي لي ولا ولا يخفى عن علمه شيء، قال الامام البياضي في اشارات المرام، قال ابو حنيفه في الفقه الاكبر: كان الله عالما بالاشياء قبل كونها وخلق الاشياء لا من شيء.

Ta'ala sait les choses, mais il sait pas comme nous. Nous, on sait par un cœur et une raison. Notre science augmente, diminue, on oublie. Si on révise, on maintient plus ce qu'on a appris. Si on ne révise pas, on oublie. Mais Allah ta'ala sait, mais pas comme notre science. Et il sait ce qu'il n'existe pas, qu'il n'existe pas et qu'il est agnanti. Voilà. المعدوم ليس بشيء ليس شيئا لو نيون سي با اون شوز سي سي با شوز من قال الله لا يعلم انفاس اهل الجنه وافعال اهل الجنه وافعال اهل النار كافر مع انه انفاس اهل الجنه لا نهايه لها واعمال اهل الجنه لا نهايه لها ولكن نقول الله يعلمها من غير ان نقول هي محصوره سلوكي دي الله نو سي با لي Les respirations des gens du paradis et leurs actes et leurs paroles, parce que c'est des choses qui vont continuer sans fin. il me croit. Allah sait tout en détail, sans dire que les choses sont restreintes. Ils ne sont, ils sont pas. La, la, les respirations de l'être humain dans le paradis n'est pas limitées par le temps, puisque Allah leur a donné l'éternité. Mais chaque instant de, pour les gens du paradis, c'est par la création de Dieu et sa prédestination. Alors ils ont toujours besoin de Dieu. شك أنستون يزن بوزواد الله عز وجل أهل الجنة في كل لحظة مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى هو يخلق وجودهم، وهو الذي يخلق أعمالهم وأنفاسهم وحركاتهم وملذاتهم إلى غير ذلك فهم في كل لحظة مفتقرون إلى الله ولا نقول إن أنفاسهم محصورة بعدد ثم قال يعني ابو حنيفه ويعلم انه كيف يكون اذا اوجده ويعلم الموجود في حال وجوده موجودا ويعلم انه كيف يكون فناؤه يعني qui كي va exister il sait comment il va etre ki comment il va etre lorsqu'il الله تعالى سي كومون il va ويعلم الله القائم في حال قيامه قائما فاذا قعد فقد علمه قاعدا c'est yani celui qui est debout Allah sait qu'il est debout et lorsqu'il s'assoit Allah Ta sait que celui-là il est assis sans que la science de Dieu change mais Allah Ta sait les choses comme on a dit à l'avance sans début Allah sait par sa science qui n'a pas de début la science de Dieu et son attribut qui n'a pas de début فَاللَّهُ تعالى عالم قبل ان يخلق الخلق ما هم عاملون قبل خلقهم فهو عالم بذاته وصفاته وبما كان في العالم وبما يكون وبما لا يكون الا لو كان كيف يكون الله تعالى سي son être et ses attributs الله تعالى سي ce qu'il a existé depuis la création de l'eau jusqu'à maintenant et il sait maintenant ce qui se passe dans cet instant actuel et il sait ce qui va être dans le futur et il sait

اللي زيغاري الذين كي دون القدريه، الله نسي سي كابخي لا ان الأشياء سي والعياذ بالله دو وهذا قول جماعة عبد الهادي الباني تلميذ أمين شيخو، هذا عبد الهادي الباني مات وأمين شيخو مات، لا أدري من رئيسهم اليوم، لكن هؤلاء لعلهم يدعون التصوف ولكن حالة حالة تعبانة يا ليلى. <laughs> j'ai dit c'est une secte et ils ont suivi avant quelqu'un qui s'appelle Amin Shaykh après leur responsable était Abdelhad El Bani aujourd'hui je ne sais pas c'est qui alors ce groupe là ils ont dit beaucoup des choses dans les, comme égarement et parmi ces choses là ils disent comme le Qadari Allah ne sait que lorsqu'il crée les choses une fois qu'il crée les choses c'est là où il sait et bien sûr ça c'est de l'égarement. Ces gens-là, ils ont dit d'autres choses. Hein. Ils ont dit Allah n'a pas prédestiné le, le, le mal. Et ils disent euh, à Adam, ils ont dit Allah a donné à Adam les, les, noms, de, les noms de Dieu. les de اسماء الاشياء الله تعالى ادنى ادم لي شوز جبل سهل وادي شجره حجر هكذا الله علم ادم الاسماء أه وقالت الفلاسفه انه سبحانه غير عالم بالجزيئات وهي من المسائل التي قال الغزالي يجب تكفير الفلاسفه بها لي فيلوزوف اون بارل qu'ils les ont suivis, ils ont dit, Allah ne sait pas les choses dans les détails. Ils ont dit, quel intérêt, ils disent, quelle sagesse de fait de savoir les choses en détail, il sait les choses dans la globalité. Nous, on dit, mais c'est lui qui a créé les choses en détail, et c'est lui qui a créé les choses en détail, et il sait tout, rien n'échappe à sa science. C'est lui qui sait toutes choses, alors rien n'échappe à sa science. يعلم ما تكن الصدور؟ اي سي سو كي دون فوك، دون de chacun parmi nous. Euh, وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، قال الامام الطحاوي امرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، الله نوزا كريي اي دو سي كرياتور. الله خلقنا ولا يحتاج الينا. لا ليجلب لي نفعا ولا ليدفع لي عن ذاته ضرا. إن il nous a pas créé pour tirer profit pour se préserver d'un mal, pas du tout. خلقنا لحكمة لا شك، الله تعالى قال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. il nous a créé pour des sagesses, mais bien sûr, rien n'existe vraiment ما في، ما في شيء في هذه الدنيا من العرش إلى الفرش وجد من غير حكمة، ما فيه. في. في الوهابيين الكذابين تعود فرنسا قالوا تلاميذ الشيخ عبد الله بيقول خلق الله العالم من غير حكمة الذي يقول الله خلق قش أو حبة أو ورقة من غير حكمة ليعلم أننا نقول هذا كافر هذا حكمه الكفر لأنه نسب السفة إلى الله كيف من يقول خلق السماوات والأرض الله قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين جدي <applause> même euh, n'importe quel insecte, n'importe quelle maladie, n'importe quelle feuille d'arbre, tout ça, ça a été créé pour des sagesses. Qu'on a su, c'est quoi la sagesse ou non? Alors, nous et les djinns, c'est-à-dire yani les deux euh, créatures qui sont responsables de leurs actes. nous, sommes les نحن والجن مكلفين في اشياء بدنا واجب علينا نعملها وفي اشياء حرام علينا نعملها، الله تعالى ابتلانا بهذا. يا دي شوز كو الله نوزا روندي اوبليجاتواغ دو فير، ايليا دي شوز كو الله تعالى نوزا انتردي دو فير. واعلى امرنا الايمان، واخطر ما نهانا عنه الكفر والشرك. لا بلي اوت شوز كو الله نوزا اردني دو فير، سي كغوار ان لوي، ا سي ميساجي، وجور ديرنيي، ا سا بريدستيناسيون. Et la chose la plus dangereuse que Allah nous a interdit, c'est la mécréance par ces sortes-là, l'athéisme, le shirk, le fait de nier ce qui est dit dans le Coran, le fait de se moquer de Dieu et ses messagers. Si quelqu'un pose la question, pourquoi sommes-nous créés Et Allah n'a pas besoin de nous. Et Allah n'a pas besoin de nous. Pourquoi sommes-nous créés Allah n'a pas besoin ni de notre foi, ni de notre prière, ni de notre jeûne. Allah a dit dans le Coran, ce qui signifie, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de croire en moi et de m'obéir. Si c'est lui qui nous a posé la question au début, pourquoi sommes-nous créés Nous, on a dit, pour qu'il nous ordonne, yani pour qu'il nous éprouve, pour qu'on soit éprouvé, pour qu'on soit éprouvé, qui va croire, qui va me croire? pour qu'il nous ordonne de l'adorer. Alors, si celui-là le même a dit, mais Allah Ta'ala sait que la plupart des humains, ils vont لا بلوبار فون مكروار اي أن اغلب البشر واغلب الجنس سيكفرون وسيعصون وسيعبدون الاصنام وسيعبدون الشياطين وسيعبدون الشمس والقمر ومنهم من يعبد فرج المرأة ومنهم من يعبد فرج الرجل بالصين أو بالهند بالصين بيعبدوا فرج الرجل والنصيرية بيقولوا عنهم عباد علي وكمان بيعبدوا فرج المرأة Alors il y a du voix, Allah Ta'ala sait que certains ils vont adorer des statues, des idoles, tout ça. Il y a une secte en Chine, tout ça, ils adorent le sexe de l'homme. Il y a euh, d'autres qui, qui adorent le sexe de la femme. Et on parle de oui. Nusayriyin, Ubad Ali. Ils existent en Syrie et en Turquie. Ils adorent Ali et on dit que ces gens-là adorent encore le, le sexe de la femme. Alors c'est lui qui dit, mais Allah sait que la plupart, ils ne vont pas croire.

وانت العبد العبد بيسال الخالق والمالك لو لسكلاف يل دوموند او كرياتور لو سكلاف يل دوموند ا كي لو ديتيان ليش انت اذا اشتغلت بشركه هلا بسويسرا اي شركه بدك اذا اشتغلت بشركه بيقولوا لها مثلا شركه محترمه اه... رئيس الشركه هو صاحبها مالكها Il a 100 000 Et prend Il travaille 6 heures hein, par jour. Supposons qu'on euh, travaille dans une société. Il y a 100 employés. Une société très, très forte. Très, très respectueuse. Euh, il a de la valeur. Il a de l'ampleur. Le minimum d'employés, il touche 10 000 francs. Il travaille 6 heures par jour. Vraiment, ils sont très euh, confortables. Ils sont, et et c'est qui qui le dirige la société lorsqu'il donne les ordres nous les employés à chaque fois on dit pourquoi la société fonctionne depuis deux générations très bien et alors à chaque fois qu'il nous donne on dit non je fais pas pourquoi tout de suite tu es viré au chômage social mais hein que ça qu'est-ce que l'amer quoi là 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 je ne vais pas le faire je ne vais pas travailler je ne vais pas travailler mon collègue de la le, le propriétaire va t'expliquer à chaque fois je veux ça, je veux pas ça, tu travailles de cette manière, tu travailles, arrête ce travail, fais un autre. Tu vas à chaque fois te lui dire non, malgré qu'il est un esclave comme toi. Malgré qu'il est un esclave comme toi. Mais il est un es plus intelligent que lui, 250 <mère> fois. Mais toi, tu vas lui dire à chaque fois non, je ne fais pas. Si tu as fait les gens ils disent qui est le fautif dis-toi toi tu travailles chez lui tu tu, tu as ton salaire voilà c'est tout tu as conseillé s'il si n'a pas accepté c'est c'est un esclave comme toi Ana bas 'am un misal pour la aqul hadha insan mitlak wal nas ma btiqbal ennu tist qul lo la sahib al shoghl leish la ma bdi a'mal la ma rouh 'and beit ummak enta illi jit tishghal 'andi أشاك فوا تي ميدي نو؟ ڤا شي تا ميغ؟ كيس سكو تو تغافاي إذا أنت ما بتقول للرئيس تاعك لا ولمَ ما بتسأل، بدك تسأل رب العالمين ليش خلقك؟ خذ أهل بيروت شو قالوا، بتعرف أهل بيروت شو بيقولوا؟ بدكم تعلموها أهل تونس. أهل بيروت بيقولوا: اللي خلق علق، واللي ما عجبه ينفلق. بالع... بال... بالفصحى. سلوي كي اايتي كرايي يعني من خلق، من خلق الان لا لا مفر له الا ان يطيع، سلوي كي نلوي بلي باسا كي سيكسبلوز، بيعمل ينفلق يعني يشقف حاله يتفجر، انت خلقت رغما عنك وعليك ان تطيع، ما عندك حل ثاني، هذا الملخص، تي اايتي كرايي مالغري توا، tu نا اوبير، أوترومون جهنم وبئس المصير، ما في ما في، لا با أوتر شوز ما بتقول يا رب العالمين ليش خلقتني أنا ما بدي إجي، من أنت حتى تقول يا رب العالمين ليش خلقتني؟ لكن رب العالمين أرسل أنبياء مبشرين ومنذرين، الله تعالى أنفويي دي qui ont annoncé la bonne nouvelle pour les croyants qui ont averti d'un très dur châtiment pour les mécréants. « Mahak arsala rusulan mubashirin wa munzirin. Mubashirin man aman wa ata'a bil wa man kafara wa 'asa bin nar. Wa anta wasalaka al khabar wa law lam tara an-nabiyya bi ummi 'aynika wasalaka khabar al mutawatir. Toi, tu y es été averti même si tu n'as pas vu le prophète mais la nouvelle véridique authentique rapportée par des milliers c'est arrivé vers toi, alors tu es responsable de tes actes. Autrement, tu dis, non, ça me plaît pas, je veux pas, ok, expose-toi. <laughs> il y a des gens qui disent, je ne me plais pas, ça va pas ça, c'est quoi cette vie, malgré qu'ils sont en Suisse. Et ils vont vers le pont là-bas et ils sautent. Et après, l'ange de la mort, on a appris que lui, lorsqu'il touche là, lorsque la mort lui arrive, il lui annonce l'enfer. بيبشروا بجهنم وبئس المصير شو عملت شو عملت إذا لا يسأل ربنا نحن نسأل فبالتالي فلنعد هو يسأل ونحن نجيب هل أعددنا الجواب لذلك السؤال on question pas Allah Allah nous question nous C'est qui nous a donné les yeux, c'est qui nous a donné le nez, Celui qui nous a donné les mains, c'est qui nous a donné les pieds, Celui qui nous a donné la langue, c'est lui qui nous a donné les oreilles, Celui lui qui a nous a donné l'odorat, c'est lui qui nous a donné le goût, parce que si l'odorat, le goût, si tu n'as rien, tu vas pas acheter de, le kilo de chocolat Lint à 30 francs, tu achètes le chocolat à trois francs. S'il n'y avait pas le goût et l'odorat, tu vas pas acheter là-bas. Il ouais. y a beaucoup de sagesse. Tu sais, la voiture, elle n'a pas de goût. Il faut remplir l'essence le, et ça marche. Mais nous, l'estomac, c'est pas comme ça. Il y a le goût avant. On, on travaille et on achète les meilleures choses pour manger. Et autour de ça, il y a quelque chose qui, qui fonctionne sur cette terre. دي ساجيسك الله تعالى سي كاس كون سي نو؟ انه اذا تفكر انت كيف ان الانسان يحتاج للطعام ماشي ولكن اعطاك نعمه انك تتذوق فتتنعم بالطعام وبالنسبه للاولاد انه كمان الولد ما بيجيك هي مثل القصه انه بتحط حبه بيجيك ولد كمان ان جرون بليزير بار لي رابور انتيم، il y a دي ساجيس انورم والله تعالى أ أ أ لوسكو لا كريي سو با موند، مي نو كاسكو اون سي؟ اون سي كو تري بو دي شوز، ولذلك نحن نسلم لله، ولا تثبت قدم في الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني الانقياد والخضوع بان ربنا حكيم، بان ربنا عليم، أمرونها فنحن علينا ان نمتثل. اوه لو 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 با c'est-à-dire la foi de l'un de vous ne sera pas confirmée que lorsqu'il est soumis complètement à Dieu Jal qu'il a créé les créatures pour des sagesses conçues, qu qu'on sait ou qu'on sait pas, et que on doit obéir, on doit délaisser le haram, on doit maintenir la foi, et on dit, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وأن النعمة العظيمة أعظم نعمة في الدنيا لنا هي الإيمان لو بلو grand بيان في دون سو با موند نو سي لا فوا سي لو فيت أما هداك اللي عاش جميل الوجه جميل الصوت غني ابن غني وشو بعد بدك زيد خصال Si la personne vit longtemps, en bonne santé, en étant très beau, en ayant la belle voix, en étant très riche, famille des riches, en étant en bonheur, et il a vécu dix siècles comme ça, sans être croyant, la, la vie du cafard est mieux que sa vie de celui-là. Le cafard, à la fin, il ne il va pas aller à l'enfer. Mais celui-là, il va aller à l'enfer éternellement. Si tu as de la foi, alors préserve-le. Ça, c'est la plus grand bienfait que Allah nous a donné ما يمكن ما بتزبط الامور معك في الدنيا بس ما عندك الايمان وحده كافي. سيفي كو تو ا لا فوا بتات تو نا با ريس سارتان شوز دون لو با موند، مي احمد الله اولا على نعمه الاسلام، بعدين هناك نعم لا نحصيها. ابخي il y a des bienfaits qu'on n'arrive pas à les dénombrer, qu'on n'arrive pas à les sergner. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فينا نقول ثبت قلوبنا على طاعتك